Actualité internationale, guerre Israël-Hamas, yon attaque l'armée Israël, prend la vie trois petites garçons leaders suprêmes Hamas là, Ismaël Haniyeh, qui fait annonce là dans moment gagné yon négociation qu'a fait pour un cessez-le-feu dans Gaza. Il touye trois petites. Un chat pour me tomber. Hey! Les uns sont mélangés dans l'autre bout du monde. C'est aux États-Unis, président Joe Biden accueilli dans la Maison Blanche, premier ministre japonais Fumio Kishida, côté au palais entre autres de technologie et défense. Spéciale réunion dans siège organisation État américain OEA dans Washington sous un conflit diplomatique entre Équateur et Mexique après arrestation ancien vice-président équatorien Jorge Glass dans ambassade Mexique dans ville Quito en Équateur. Et puis ça reste vraiment ça veut entrer dans l'ambassade là. Oh, ça c'est mon tête. Actualité en Haïti, installation conseil présidentiel transition, toujours dans les passes pendant crise là continue à aggraver dans le pays. Tête charge, on a avancé, gars. Et c'est pour ça, yo, avec l'autre corps, nous allons développer pour dans un petit moment. Merci d'être choisi VO Acréole pour informer. Eh bien, visite officielle, Cap Geladan dîner d'État, dans l'occasion Vireon, premier ministre japonais aux États-Unis. Une visite qui commence aujourd'hui dans la Maison Blanche. On a loué sa vie pour. Non. Ok, intéressant. Ma vie à nous dîner d'État. On dîner. Je ne peux pas participer à nous dîner d'État. Je regarde les tabios, je conseille des paroles qui parlent. Belle politique! Let's go! Dans la Maison Blanche, jeudi, mercredi 10 avril 2024, la président Joe Biden et toute première dame Jill Biden recevront Premier ministre japonais Fumio Kishida qui l'a gagné avec tout, madame ni. Monsieur Biden accueille avec un pile honneur visiteur Sayo. Non, ça, un pile monde considéré tant qu'on visite. Wow. Quand on porte, mais protocole là, qui toujours kembem dans cause. On j'en mouille, on j'en ou classique, on j'en bah, yo fait dans l'ordre et discipline. Hey, pas de monde qui a monté sous monde. Journaliste son côté, caméraman son côté, chaque monde en place, yo, et puis, wap gade moun yo. Wap moun, moun pap fota moun pap soue sous moun. Let's go. Historique. Distinguished guests, the President of the United States. Mr. Kishida. Welcome. Président Biden nan non vice-président la Kamala Harris ak tout maril nan non peuple américain accueilli coupe japonais nan pays a pendant li présenté leader japonais comme yon leader visionnaire et courageux pour mesure li prend pour soutenir Ukraine nan lutte contre invasion la Russie. Ah bon, Japon te soutenir Ukraine. OK, c'est bien ça, je comprends maintenant. Cadet chrétien vivant dans la cour. Les japonais à bon côté pas le remercier leader américain pour accueil chaleureux li recevoir. Dans l'occasion viré on ça dans moment il y a travail sous défense indo-pacifique là. Premier ministre japonais a expliqué que gouvernement n'a paré pour tourner un partenariat mondial pour lever un pile défi dans la région et défi dans le monde. Et l'actualité a mené nous dans la région. Ah, intéressant que tu fin là-bas là. Moi nous en côté président Joe Biden pensait que ça on c'est à pour ouais si Israël eh ben menait opération dans Rafah pendant ce temps gagnait deux et suprême Hamas là qui perdu trois petites garçons trois dans petites garçons et puis gagne quatre petites tout qui mourit pendant que a gagne une négociation qui sous pied pour essayer de jouer c'est le feu dans Gaza. Nous allons mise à jour avec Serge Rodriguez. Dans une interview, président Joe Biden, by station Univision, et que chaîne Pagnol l'a diffusée hier mardi 9 avril là, l'idée États-Unis a exprimé gros qu'elle sautait sous action pour le premier ministre Israël, Benjamin Netanyahu, a posé dans le cadre de conflit État-Juif là, à groupe Hamas là. Il qualifie action Sayo comme une erreur, particulièrement attaque militaire israélienne été lancée sous véhicule personnel qui a fait assistance humanitaire dans Gaza. M. Biden t'a aimé pour État-Juif là, proposer un cessez-le-feu qui va être camion qui a porté manger avec médicaments, accès au territoire Gaza pendant 6 à 8 semaines qui a vint là. Yon l'autre côté, dirigeant groupe Hamas Ismaël Haniyeh annoncé sous chaîne télévision Al Jazeera la mort trois petites garçons avec plusieurs petites lits qui périnent en frappe militaire israélienne lancée sous Gaza. Oh. On remercie bon Dieu pour honneur qui transforme trois petites garçons avec diverses petites moins en martyrs. Monsieur Haniyeh te fait annoncer, étant dans le pays Qatar, leader groupe Hamas là qui a 61 ans, gagne 13 petites garçons avec petites filles en tout. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Merci beaucoup, garçon. Donc, les négociations ont continué pour essayer de joindre un cessez-le-feu dans Gaza. Et pendant que le président Joe Biden, l'autre fois encore, ensemble avec les Nations Unies, l'autre instance, dit que
c'est un erreur si Israël menait opération ça dans Rafah pendant tout que gain premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui dit que eh ben c'est dernière phase pour déraciner Hamas sous la terre c'est mener une opération dans Rafah. L'autre point d'actualité a une spéciale réunion dans siège Nations Unies pas dans Nations Unies dans OEA plutôt dans Washington côté où t'as considéré conflit diplomatique entre Équateur avec Mexique après arrestation et vice ancien vice-président équatorien Georges Glass dans ambassade Mexique là dans ville Quito en Équateur. Jean-Robert Philippe cap suivre pour nous dossier ça. Jean-Robert et faut dire que tension diplomatique ça déjà gain conséquences. Oui, effectivement, c'est il y a gros conséquences, il y a un pile qui a sauté tout pour que par une répétition qui fait comme ça dans zone là. Les par exemple force de l'ordre entrer dans ambassade qui sont en mission qui en général d'après la loi internationale qui est inviolable. C'est comme ça que ça a fait mais tout et États-Unis et ensemble avec l'OEA ils ont demandé à ce que et parties concernées donc Équateur avec Mexique que chercher une entente pour résoudre le problème diplomatique ça sans pas besoin d'en bouche l'ouvrir et c'est comme ça que rencontre ça qui était faite jeudi là c'était objectif là tant des parties concernées tant des autres pays et tout mais quoi tant mieux il défend une position là et le fait que il était entré dans l'ambassade là il a des informations que très certainement pays concernés que ce soit Mexique ou bien l'autre pays dans la région pas de bien. Ah bon? Mexique n'a bouche l'ouvri diplomatique avec Équateur après descendre de l'île force de l'ordre été fait dans l'ambassade pays à dans Quito pour arrêter ancien vice-président. Les amis gâchent la bouteille. À la traque à papa. J'ai grâce qui te prend refuge dans la mission diplomatique mexicaine. L'assalto à notre embajada. Président Manuel López Obrador parlait pour dire c'était une attaque sur l'ambassade là. Le gouvernement n'a pas posé action comme ça s'il n'y a pas senti, il y a un support l'autre gouvernement. Pour raison ça, nous allons porter dossier devant le tribunal de justice international. Enregistrement vidéo montré personnel de l'ambassade là qui a cherché empêcher force de l'ordre arrêter ancien vice-président. Mexique qui offre ancien vice-président Glass asile. Président Obrador déplorait position États-Unis à Canada pour façon dont il réagit après descendre de l'IA dans l'ambassade là. Selon leader mexicain, position du pays voisin yo vague et pas clair. Le 19 avril là, États-Unis demandé Équateur pour le travail avec Mexique pour joindre une solution pour chirer pit diplomatique que yo gain entre yo. We condemn this violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, including the use of force against embassy officials. États-Unis en Jack Sullivan dit, États-Unis condamné événement 5 avril là, qui c'est une violation convention relations diplomatiques Vienna, tant qu'utilisation de la force contre responsable ambassadeur. Nous réviser image qui sous caméra sécurité ambassade Mexique là, et quoi réaction pas de bon. Pour qu'on y ait là, employé ambassade Mexique là, dans Quito, retenez la CAIO sous demande autorité mexicaine. Okay. Pays membre organisation État américain a rejeté opération force de l'ordre Équateur fait dans l'ambassade Mexique là, dans Quito. Il réitéré l'obligation que tiennent tous les États de ne invoquer normes de droit interne pour justifier. Le général organisation régionale là, Luis Almagro, déclaré Équateur de respecter les lois internationales. Issue diplomatique inviolable. Numéro 1, l'OEA a ajouté loi interne PIA pas capable de justifier des centres de lieu. Roger Glass, qui était vice-président en 2013 et 2017, était condamné pour passer 6 ans en prison pour accusation que l'été accepté coûte l'argent imbattable dans une compagnie construction brésilienne Odebrecht pour être capable de faire joindre en retour contrat gouvernement. En 2020, ancien vice-président a eu l'autre condamnation 8 ans en prison en bas accusation que l'été utilisé l'argent contracté pour te financer campagne mouvement politique président Rafael Correa. Tribunal là, a lagué glace en 2022. Jeudi, elle a fait face avec l'accusation que l'État a mal utilisé l'argent qui était là pour aider le travail de reconstruction province Manabi, qui bol en mer après le tremblement de terre 2016 là, c'est dévasté. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci beaucoup. Merci Jean-Robert Philippe. Il y a plusieurs personnalités qui prennent la parole dans le dossier. Ça, d'ailleurs, le dossier a été déjà devant Nations Unies. Il y a Rafael Correa, ancien président équatorien, qui lui-même pensait que son
kidnapping que vous faites sous ancien vice-président équatorien et puis Jorge Glass et Diaz qui c'est petit et garçon ancien vice-président qui lui-même il dit l'a laissé deux fois pour le papa lui pas voulu et il pensait que c'est un abus que vous faites sous douane. Vous souvenez quoi que vous suivez un programme dans l'ancre haïtien. Actualité après qu'on y a dans le pays d'Haïti et côté installation conseil présidentiel transition il est toujours non passage. Il y a un problème internet, garçon, il faut installer, pas d'espace. Il y a clean palais, trop fatra. Il y a clean palais, et puis il y a mettre nos présidents. Je suis soif, je m'envie à l'installation. Je m'envie participer à un dîner d'État. Yes, let's go. Pendant que la crise là a continué à aggraver dans le pays, surtout avec opposition, avec contestation par rapport à et conseil présidentiel transition, nous allons rejoindre correspondant nous, Renan Toussaint. En pile personnalité haïtienne attend publication dans le journal officiel l'État, les moniteurs, non 9 citoyens qui pourraient faire partie officiellement conseil présidentiel transition. On ne sait pas pour qui est là, puisque mardi soir, 9 avril 2024, gouvernement démissionnaire Ariel Henry, qui était réuni en conseil des ministres, transmet projet accord qui créait organisation et fonctionnement structure ça dans service juridique tout ministère pour capable vérifier si projet est conforme à loi organique institution l'État. Ancien premier ministre haïtien Evans Paul dit démarche là pas bon parce que gouvernement démissionnaire. Il comme qui pas comprendre problème là parce que y a voyé liste pour dire publier dans moniteur. Mais bon mécanisme pour publier dans moniteur. Ah bon. On pas demander un gouvernement même s'il démissionnaire. Raison plus, les démissionnaires, pour publier un bagage illégal. Bon, côté pas. Non, sortez à des légales. L'éternel, moi, il y a pitié pour papa ici. Nos politiciens sont tellement cool. Rose Mongeon, qui est leader Front National, organisation résistance pour yon Haïti stable et démocratique, qui regroupe plusieurs dizaines de structures sociopolitiques parmi eux, Haïti diaspora réunis. Pour Jomo et divers autres qui réagit tout sous dossier ça, dit ministre qu'il a eu pas de prérogative légale pour réunir un conseil des ministres. Exact. Dans ce temps, la communauté internationale, notamment les États-Unis d'Amérique, attend mise en place officielle conseil présidentiel transition. Renan Toussaint, au VOA Creole, Port-au-Prince. Eh bien, effectivement, il y a un coordonnateur général national organisation pour Haïti qui est stable et démocratique aux Mongeon. Il a annoncé une manifestation contre mise en place et conseil présidentiel transition. Nous allons rejoindre Massado Villemé, il trouve la capitale haïtienne, Port-au-Prince. Rose Mongeon qui identifie tête li comme un opposant gouvernement Ariel Henry et puis qui dit il pas marcher dans démarche CARICOM là annoncé une manifestation pour vendredi 12 avril qui va venir là pour aller dénoncer démarche si là yo quoi qui c'est une menace contre indépendance pays. Nous dit la CARICOM les États-Unis, la France, le Canada pas gagné ça dans attribution puisque yo cap nommer président pour nous pardon cap nommer président pour nous en Haïti et encore plus qui venait avec le conseil créé de 10 moun, de 9 moun, de 9 malfaiteurs. Nous dit, nous-mêmes, n'a fait résistance parce que c'est un très mauvais antécédent, il a créé la caillou. C'est une menace à l'indépendance, nous, c'est une menace à la souveraineté, nous. Nous-mêmes, comme haïtiens, personne ne peut arrêter de voir ça, mais nous, pour nous dénoncer et nous avons dit, tentative qu'a fait là pour vendre le pays. Stratégie, c'est pour faire force pour nous répondre dans toute mobilisation, pour nous casser bagaille ça là, pour nous casser stabilité ça, pour nous résoudre le problème de stabilité. En termes de réaction, quelques citoyens plaident en faveur avancement mise en place collège présidentiel là. Moment arrivé pour haïtiens conscients des situations. Je crois que monde qui soit disant dit on a conseil là, c'est pas monde qui sorti en l'air, c'est pas monde qui sorti en France, c'est pas monde qui sorti aux États-Unis, c'est des haïtiens oui. Je dis à ce n'est pas conscient de ce qui passe dans le pays. Donc, je ne pas dire finalement pas haïtien. Mais je conseille que, en conseil, là, comme pour les jeunes, nous alternative, nous consensus, nous entente politique pour permettre de façon à ce que nous dotions le pays de un président qui soutient le conseil. Okay. En fait, conseil, là, même,
pas qu'à dire même son bagage pas faire pour payer. Mais moi comme étant donné que moi son bagage qui plus ou moins là. Plus ou moins moi c'est l'inné va pouvoir à parler sur lui tout côté dans radio. Mais faut nous connaître que peuple mon peuple qui souffre là. OK, que peuple qui souffre là, ou bien qui veut une solution. Mais avec qui est cabinet de conseil, mais qui est cabinet président. Mais son seul bagage, il a besoin d'un souffle. Bon, moi en tant que citoyen et citoyen avisé, moi souhaiter que conseil là côté un résultat pour population. Face à l'instabilité politique là qui traînait derrière une augmentation violence à un niveau insécurité sans pareil qui la cause monnaie haïtien a perdu valeur devant dollar américain. Ça c'est vrai. Je forme là c'est 132 à 133 goud pour le dollar. Ya d'autres mango, maman j'ai mango français. Pour le dollar américain. Hachi. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Vilmé pour VOA. Merci do. Merci Massado Vilmé pendant que eh bien, installation conseil présidentiel transition lui-même lui en difficulté gagne plusieurs secteurs dans la vie nationale là qui continuent à réclamer pour y aller dans cour de cassation pour rejoindre un juge qui régulièrement nommé pour venir assurer transition hein. Donc ça qui fait que jusqu'à présent eh ben gain en pile flou dans ça qui passe dans le pays d'Haïti pendant que la communauté internationale lui-même eh ben yo même y a gardé pour ouais et dans quelle mesure que l'installation ça capable faite et puis dans question gang armé qui continue à simer l'intérêt eh ben gain Gary Desrosiers qui présentait un bilan opération police nationale menée pendant dernier jour qui se passait là dans pays pour faire face à face carré avec gang Améo. Nous sommes sur place, Yves Manuel, n'importe quoi. OK. Direction générale police nationale d'Haïti a présenté bilan partiel intervention avec opération Limene pendant la période 26 mars pour arriver 9 avril 2024. Là. Gagné 12 fusils d'assaut, 14 pistolets de calibre 9 mm qui saisit lors d'une intervention convaincue qui fait au cap dans le douane. OK. S'il vous plaît, porte-parole là, Popo. Notre cher Gary, la nombre d'âmes ça nous saisit. Après ça, nous moulons, nous jetons. Au monde m'a posé question. D'armes qu'on est l'un fin saisit. Est-ce que y a un processus qui passe pour venir à la police, ou bien est-ce qu'on révoque aux États-Unis d'Amérique, ou bien nous fouillons tout mettez, ou bien nous moulons, nous jetons. D'armes qu'on est. Parce que c'est pas jour et jour à la police a saisi, y a mené opération après maçon paquet d'âmes. Et puis après, la police n'a jamais eu de matériel. S'il vous plaît, au moins, si réponse n'a pas dit ça, c'est extrêmement important pour nous connaître. Merci d'avance. Et avec appui de l'agent douanier, la police a recherché activement Willman Jean, commissionnaire de loi, Bartol, ainsi connu, c'est lui-même qui t'appelle recevoir cargaison. Environ 1500 cartouches de tout calibre confisquées. 6 millions 300 000 confisqués, 20 millions de dollars américains confisqués, 2 véhicules confisqués, 9 motos confisquées, gagné malheureusement 6 policiers qui blessés lors d'une dernière intervention d'opération de la police. Gagné 16 armes qui saisies, dont un fusil d'assaut lors d'une opération d'intervention PNH. Gagné plusieurs bandits armés qui sont neutralisés par la police lors du champ de tir avec la pêche. New York, ainsi connu, qui a opéré dans une cité de Doudoun. Monsieur blessé mortellement lors du champ de tir avec la police. La police saisit lors de l'intervention sociale. Un fusil d'assaut, une centaine de cartouches. C'est bien. Le 4 avril 2024, Jean-Pierre Anthony, qui continue d'opérer par la qui. Ouais. Je fais partie d'un gang qui t'a opéré, donc ça a réglé TIM. Depuis Soufigui, il m'a dit oui, moi c'est ça, vraiment. Oui, merci. La police possède l'arrestation d'un policier, un policier aux îles Stafford. Situation sécurité pays a toujours été malouque. Bandi a utilisé plusieurs méthodes pour empêcher la population à vaquer à l'occupation. Gary Desrosiers continue à demander soutien à la population pour traquer gang yo. La sollicité à plus population. Non, travail que l'on a à faire. Situation sécuritaire très délicate. Et bon, ils ont utilisé plusieurs moyens pour empêcher la population de faire des activités. Et ils ont tiré tout en direction PNH lors de l'intervention, cocktail Molotov. Et ils ont utilisé aux armes fin de foi. Opération et intervention police nationale d'Haïtien, qu'elle continue dans plusieurs quartiers.
notamment dans le centre-ville, selon la police. C'est bien. Moi, c'est Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Et puis, dans le cadre d'opération que la police a menée, il y a été gagné et démolition, plusieurs cailles dans la zone aéroport international là, et côté ça sorti, c'est un et compagnie sécurité qui fait et compagnie airline exigence si pas gagne assez de sécurité notamment dans zone aéroport yo pas capable bayo assurance et l'état haïtien lui-même li obligé prendre les mesures nécessaires. C'est ça qui fait que la police nationale a commencé dans démolition, mais ça qui passe c'est que gagne pile monde qui dit que ou bien kayo marqué à démolir ou bien au démoli mais au poko joine cob et que l'état promet yo pour kay que yo craser et puis gagne problème de titre de propriété. Son dossier qui est très important n'a retourné sous les. L'autre point d'actualité surtout toujours concernant le pays d'Haïti, gagne la maison blanche qui a essayé fait congrès à débloquer l'argent pour financer force multinationale qui gagne pour entrer dans le pays d'Haïti et qui a gagne tête li Kenya. Sandra Lemaire gagne détail sous des massacres qu'a fait. Conseiller Maison Blanche sous affaires sécurité nationale Jake Sullivan dit journaliste m'a dit que l'administration a consulté Congrès pour chercher débloquer financement qui est essentiel pour déployer une force multinationale pour Haïti plus vite possible. C'est Kenya qui pourra diriger force ça. Ah bon. Consulting with the Congress we to need try money. To unlock that funding because it is critical to get a multinational security force led by the Kenyans on the ground in Haiti as soon as possible. Thank you so much, Mr. On travaille à Congrès pour débloquer financement ça parce que il est urgent pour déployer une force sécurité multinationale que Kenya peut diriger en Haïti plus vite possible pour aider à rétablir stabilité à la paix pour nous soulager souffrance peuple haïtien. Sullivan rappelait que l'objectif force là, c'est aider à stabiliser Haïti et puis mettre la paix pour soulager souffrance citoyens innocents haïtiens. Sullivan souligne que les États-Unis mettaient programme en place pour aider haïtiens qui voulaient venir aux États-Unis. Didi, nous allons continuer à pousser pour pied devant avec programme SAYO. Didi tout, États-Unis ouvert porte pour haïtiens qui ont couru pour acte violence gang, qui c'est une décision historique. It's a historic level of access for people who would be fleeing violence or otherwise seeking to deal with their circumstances in Haiti by coming here. Lizi assistance historique n'a bail pour haïtien cap courir pour violence là ou bien qui a échappé en bas mauvais conséquences la vie en Haïti et qui viennent aux États-Unis, nous a continuer faire ça. Sullivan répéter que cause principale situation Haïti a c'est insécurité a. But the root of all of this of people's ability to operate freely in their country or choose where they're going to go from their country is security and stability. And the United States. Il dit ça que la cause haïtienne pas circuler librement dans pays yo ni choisir qui côté yo veut aller, c'est insécurité et instabilité. Moi mais pas dit ça les blancs, mais nous la prend pour nous y parler, pour nous y intercéder pour nous. Oh les blancs, ils sont tellement gentils. Stabilité. États-Unis a dirigé un effort mondial pour aider à rétablir stabilité pour toute activité continuer à dérouler grâce à une force multinationale. Nous avons besoin d'argent pour faire ça. Sullivan dit l'administration Biden a cherché support démocrate ou républicain dans le Congrès pour débloquer l'argent. Monsieur Fekone, c'est chaque jour conversation ça a déroulé. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Très bien. Donc, tu es capable de dossier Haïti à tout partout, que ce soit dans l'OEA, que ce soit dans les Nations Unies et dans le département d'État, dans la Maison Blanche, qui a même penché sous dossier ça pendant ce temps. Nous connaissons que Conseil et présidentiel transition lui-même est toujours dans la difficulté pour l'installer avec toutes les confusions qui gagnent dans la question légale et autres n'absurde pour. Mais malgré ça, et sécurité et violence gang, Nations Unies, avec tout partenaire yo, et local et international, rivaient distribuer aide humanitaire by moun qui n'a besoin. Nous parlons dans New York avec Valérie Saint-Louis. Ok. Haïti a fait face à gros défis humanitaires qui ont augmenté à cause de violence gang qui intensifié pendant 3 semaines qui sont passées là. Ils ont rapporté que gang Kounia contrôlait environ 90% de Port-au-Prince et ont lancé attaques chaque jour dans la capitale.
Selon Nations Unies, violence gang yo te forcé 53 000 moun ki te ville là. Gros coup de zam kap tiré en bas la ville Port-au-Prince, forcé pif fo boutique ak mizis yo fermé depuis le plus passé yon mois. Nan yon lot pati nan ville là, partisan ancien leader rebelle Guy Philippe, boule kaoutchou, et puis bloqué la ria pendant que yap essayé fè yon manifestation pour mande que Guy Philippe fait partie processus politique là. N'a pas fait que monsieur Amé yon te boule commissariat la police yo, yon te louvé coup de zam sous principal aéroport international là qui rete fermé et puis yon te envahi deux pi gros prisons. Port-au-Prince tout noir. En Haïti, ils ont été libérés plus passé 4000 prisonniers. Nations Unies rapporté que jusqu'à date 22 mars là, plus passé 1500 moun t'est mouri et yon lot 17000 moun t'est obligé courir quitter caillou à cause violence gang yo. Dans mitan tout désordre ça yo, travail humanitaire yo aplité pour yo offrir service clé de base yo, tant que soins santé et puis distribuer manger by groupe moun qui n'en besoin et qui pi vulnérable yo. Programme manger mondial là, World Food Programme, continue faire distribution manger ensemble avec partenaires locaux et internationaux yo. Yo ba yon plat chaud chaque jour. Yo distribue plus passé 22000 repas chauds by moun qui déplacé yo. Pendant ce temps, organisation internationale migration ensemble avec partenaires yo, t'ai distribué 132000 litres d'eau dans 500 déplacements à travers zone métropolitaine Port-au-Prince là. Système soins santé en capitale là était très fragile. Au moins 50% établissements santé dans zone métropolitaine Port-au-Prince là soit fermé ou soit service affecté en pile par violence gang yo. Partenaires humanitaires continuent de supporter service réponse soins santé à travers clinique mobile yo, toujours dans centre déplacement yo, et puis yo bay équipement médical avec fourniture pour reste l'hôpital qui a fonctionné yo. En dehors de Port-au-Prince, dans l'autre département, l'opération humanitaire Nations Unies a continué. Organisation World Food Programme a continué à acheter produits agricoles pour programme cantine l'école Lio. Et puis tout yo by famille, yo ti chocho transfère l'argent cash. Accès à principal l'hôpital général pays a coupé à cause violence gang yo. D'après un rapport UNICEF qui sorti dans mois mars 2024 là, 1.1 million femmes actives en Haïti besoin assistance nutrition, plus passé 125 000 timoun gen pour souffrir malnutrition aiguë, ak youn sous 4 timoun k'ap souffri de malnutrition chronique. Avec aéroport national là qui fait main, aide humanitaire dans domaine nutrition ak soins santé rete yon défi, mais Nations Unies dit que la continue fourni aide ak support que le capable à travers agence ak partenaires qui sous place. En pile moun gen gros créatif pour que sauf si sécurité à ta vin rétabli, situation ka vin pi grave toujours et ti aide que population a recevoir, li capable suspendre ou soit diminuer. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci garçon. Merci Valerio Saint-Louis, n'a prêté toujours dans New York et nous parlons dans Brooklyn côté eh ben gen glorieuse Nelson qui fait nous connaître que eh ben crise qui a passé dans pays d'Haïti a gen impact sur communauté haïtienne dans Brooklyn. Nous allons rejoindre. Exactement. Eh ben pas réussite. À touche dans mon petit peuple là. Haïti a fait face à une grave crise conjoncturelle. Insécurité grand goût rasé pour citer ça seulement a taillé banda sous population. Yon situation ki gen konsekans sou Haïtien an dan kou de yon peyi a. Kek Haïtien nou renkontre nan Brooklyn, New York, eksprime ke sote ak la perez yo genyen le yap gade sa kap pase nan peyi yo. Nou te pale ak Edine Celestin, ki se yon militant do amoun ki te oblije kite Haïti sa gen 4 l'année. Tout ça dit qu'on vit même niveau stress ensemble avec les monde qui a vu souterrain parce que yon nan bagala chaque jour. Ou gon stress ko viv en permanence, on appel ke ou rate, on moun ke ou rele ke ou pa jwenn, on situation ke ou tande nan radio et ke ou ap imagine. Et ça qui est difficile là c'est que ou oblige vivre nan réalité pour la tout nan quotidien ça, ou pa ka rele pou di ou pa ka travay parce que Haïti pa bien, ou pa ka rele pou di kon sa situation abdomino ou pa ka fè activité chaque jour. Effectivement. Ou vivre avec un stress et obligé fonctionnel. Même Jacques militant bwa moun nan Steven Baboun, qui est un artiste et photographe haïtien, expliquait Jean Ligue anxiété. Il passe ses journées à informer à travers les réseaux sociaux à divers sites qui n'ont pas d'informations fiables. Il est conscient cependant que Ligue a un privilège pour déconnecter les pas d'infos. Attends, il a trouvé l'argent. Ou t'es comme Pétoka. Date-moi stickers sous nos téléphones, sous nos laptops. Ariel Henry bay comme là et puis tout volé yo là mande gouvernement qui sont passé à la côte. Ça fait longtemps, plus passé 2 ans pour aller tomber dans 3 ans pas tendez mon a dit côte comme béto. Bon, on a les garçons, ache garçon stress à finir vous ache côte comme béto. Bon, ça sont l'autre chai encore, mais des sous chai insécurité tout mon gamba encore. Alors que compatriotes nous yon souterrain à vivre dans le temps de blousailles là.
Ces pays, mes familles, mes amis, anciens professeurs, collaborateurs, collègues, mes tout le monde moi aussi Haïti et donc Haïti. Qui genre m'ta fait craser habitude ça, les dur, me senti très inutile. Ça me voulait faire ou bien ça m'a fait pas gain, pas un impact immédiat, impact pas assez. Et me senti très petit, très inutile, mais c'est un sentiment pour me craser, son sentiment pour me combattre parce que c'est pas vrai. Malgré l'inquiétude d'Akla Perez, l'intervenant a expliqué que nous voulions rester quoi dans un demain meilleur pour Haïti. Glorieuse Nelson, pouvez-vous accueillir Brooklyn? Merci beaucoup. Moi, dis-nous merci parce que nous t'avons suivi avec attention. Merci pour fidélité et la patience. Rendez-vous cassé demain matin. Bonheur, bonheur pour le journal Tout Haïtien Connecté. Bisous, bisous. Mouah. One love, guys.